Coucou la famille, comment vous allez aujourd'hui? On dit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui je suis dehors, je fais juste une petite vidéo. On va causer un peu, d'accord? Là je fais pas en direct parce que je suis dehors, puis j'ai pas beaucoup de temps. Je fais juste, on va causer un peu, je vais vous donner mon point de vue et vous allez me laisser ce que vous en pensez en commentaire. Alors, j'aimerais poser une question aujourd'hui à un certain nombre de personnes, africains, surtout nous les Africains. Ma question aujourd'hui c'est, je voudrais savoir, est-ce que en Afrique, est-ce que dans le continent africain, il n'y a pas de personnes claires de peau? Je ne comprends pas. Est-ce que dans tous les pays africains, il n'y a pas de personnes claires de peau? Parce que dès que je comprends pas, dès que tu mets une photo, mais dès que tu postes une vidéo, coucou, allez, tchatcho. Coucou, arrête de te décaper la peau. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre si dans nos pays africains, il n'y a pas des gens qui naissent clairs. Je ne comprends pas. Si tout le monde était noir en Afrique, on n'allait pas avoir des bulles en Afrique. On n'allait pas avoir des requins en Afrique parce qu'il y en a. Et moi, dans ma famille, il y en a. On n'allait pas avoir des albinos en Afrique. Tout le monde serait noir. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a un certain nombre de personnes qui font le tout de toutes les vidéos. Venir écrire allez tchatcho, allez tchatcho, allez tchatcho. C'est quoi ton problème? Tu mets tes mèches aujourd'hui, oh tu n'es pas fier d'être africain. Tu te défrises aujourd'hui, oh tu n'es pas fier d'être africain. Qui vous a dit que l'africain là c'est dans l'apparence? Tu peux être noir de peau comme tu le penses là, très noir de peau même, et puis ta mentalité elle est perdue. Toi même tu es perdu. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle l'Afrique. Tu ne sais même pas comment on vit en Afrique. Tu ne sais même pas l'éducation de l'Afrique. Donc, l'Africain, là, ce n'est pas seulement la couleur de peau. C'est vous, un, deux, trois, allez venir. Arrête de dépigmenter la peau. Arrête. C'est quoi? Moi, je suis une éclair. Mon père est clair, ma mère est claire, mes frères sont clairs, mes soeurs sont claires. Je suis une très claire de peau. Donc, ce n'est pas pour vous que je vais aller prendre quelque chose pour me rendre noir. Je suis désolée. Ne confondez pas. Parce que j'ai l'impression que vous confondez un peu les choses. Il y a trois types de crème, je vais vous dire. Ne confondez pas se nettoyer la peau, illuminer son teint et se tchat. Ça fait trois trucs différents. Ne confondez pas ça parce que j'ai l'impression que vous confondez tout. Tu peux, même le teint noir là, ça s'entretient. Ton noir qui brille pas façon là. Teint noir là, ça s'entretient. Il y a des teints noirs quand tu vois là, toi-même tu as envie d'être noir. C'est pas ton teint bizarre noir là. Teint noir là, ça s'entretient. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un est clair de peau, la personne va aller prendre juste un petit truc pour ressortir son teint. Vous allez venir, que elle n'est pas fière d'être africain. Toi tu es fier d'être africain, tu sais, mais tu connais même pas ta culture. Tu connais même pas ta culture. C'est pas parce que tu es foncé de peau que tu es vraiment africain que les autres. Hein. Il y a, dans tout le pays africain, là, tout le monde n'est pas noir. Hein. Dans tout le continent africain, là, tout le monde n'est pas noir. Il y a des gens qui sont nés noirs. Il y a des gens qui sont nés clairs. Il y a des gens qui sont nés mat. Il y a toutes les couleurs en Afrique. Mais pourquoi vous venez emmerder les gens? Vous venez faire chier les gens. Moi, je suis né clair et même très clair. Je ne vais pas devenir noir pour toi, je suis désolée. Je vais acheter mon petit savon pour ressortir mon teint, pour illuminer mon visage. Tu vas venir mettre ta bouche de sorcellerie là-dedans. Je vais faire ma crème pour mettre sur moi. Tu vas venir mettre ta bouche de sorcellerie là-dedans. C'est quoi ton problème? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous préoccuper. Avec tout ce qui se passe en Afrique, là, tous les problèmes qu'il y a là, ça te préoccupait. C'est de venir faire tout le tour des vidéos des gens, venir mettre... C'est quoi ton problème? Arrête d'emmerder les gens, arrête de faire chier les gens. Si tu n'as pas envie, là, tu restes comme tu es, tu ne viens pas faire chier les gens, tu ne viens pas emmerder les gens. Parce que ça, c'est emmerder les gens pour rien. Donc là, franchement, arrêtez de fatiguer les gens. Hein? Arrêtez de fatiguer les gens. C'est pas parce que quelqu'un a pris son petit argent pour aller acheter sa petite pommade aujourd'hui que la personne se tient. Ton teint noir là, si tu veux rester noir là, reste tel que tu es. Si tu veux rester clair là, reste comme ça. Mais ne viens pas emmerder les gens. D'accord? Viens pas emmerder les gens. Parce que moi, je pense que nous, les Africains, nous sommes très sorciers. La sorcellerie fait qu'on n'évolue pas, on ne peut pas évoluer.
Parce que quand c'est ton frère africain qui fait quelque chose, ça te nerve tellement que tu fais tout pour détruire la personne. Pourquoi quand les blancs là, ils achètent crème solaire pour venir mettre sur eux pour bronzer là, ça là, tu ne viens pas ouvrir ta bouche, tes doigts de sorcellerie là. Tu ne prends pas ça pour faire tu n'es pas fier de ta couleur. Quand c'est ton frère qui va prendre quelque chose pour venir nettoyer son teint, tu vas venir prendre tes vilains doigts là pour venir taper des trucs. Arrêtons un peu notre sorcellerie là, franchement. C'est pour ça qu'on ne peut pas évoluer. Là, être africain là, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est pas tes actes. C'est pas par ta couleur de peau. C'est pas... Tu crois que moi je suis comme ça, moi je suis clair comme ça là. Tu crois que quand le blanc me voit, il me dit que je suis blanc, on me prend pour une africaine. Et même je vais te dire que je suis plus africaine que toi. Donc arrête d'emmerder les gens, d'accord? Bon voilà mes cocos, c'était juste ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, d'ici là portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Bye bye!